Le Bray du Faux avec Marc-Antoine Lebray sur RFM. Monsieur le Président, bonjour. Vous avez annoncé qu'après la demi-finale, vous retournerez au Qatar pour assister à la finale de la Coupe du Monde entre la France et l'Argentine. Bien le bonjour, Madame Greluche et Monsieur Tapette. Merci. Pardon, toutes mes confuses. À force d'aller au Qatar, j'ai pris des mauvaises habitudes. Ça va vite, ces choses-là. Heureusement que le Mondial s'arrête dimanche parce qu'un seul match de plus et vous me retrouviez dans les locaux des RFM à lapider Vincent Richard en fouettant Madame Iturbide car elle ne porte pas de burqa. Quoi qu'il en soit, Madame Iturbide, oui. Je serai dimanche dans le stade pour soutenir notre équipe nationale. Et croyez-moi, ils n'ont pas intérêt à jouer comme des gonzesses ou à se blesser comme des fiottes. Mince, ça me reprend. Vivement que ça se termine cette Coupe du Monde. Gérald Darmanin, après le match France-Maroc, 266 interpellations ont eu lieu dans toute la France, dont 145 à Paris. Oui, Madame Iturbide, le soir de la demi-finale, mais Bleus aussi ont tout donné. Alors certes, on n'a pas Mbappé et Giroud dans l'équipe, mais on a Jean-Pierre et Didier. Et eux aussi, ils frappent fort. Avec toute mon équipe, nous sommes concentrés sur la finale avec un seul objectif, le titre. Le titre de séjour, pour être précis. Invalide, périmé, expiré ou même encore bon, mais avec une tache de mayonnaise dessus. Et comme mes Bleus ont besoin d'entraînement avant la finale, je vais laisser Jean-Pierre et Didier s'échauffer sur Monsieur Spano après l'émission. Monsieur Darmanin. Kylian Mbappé, lors de l'échauffement avant la demi-finale contre le Maroc, vous avez envoyé un tir en tribune qui a assommé un supporter français. Ah ouais? Ouais, voilà, KO le type, vous vous rendez compte? Et je suis tellement bon au foot que j'en arrive à être bon en même temps dans d'autres sports comme la boxe ou le MMA. Bon, évidemment, je suis immédiatement allé auprès de la victime pour des excuses et naturellement, il a compris puisqu'il m'a dit qu'il était désolé de retarder mon échauffement. Donc bon, dossier clos, je lui en veux pas. Au revoir, Madame Neymar et Monsieur On peut plus. Coup de froid, intoxication alimentaire, gastro. Les Bleus seraient touchés par un mal étrange et certains se demandent si ce ne serait pas le Covid. Didier Deschamps, qu'est-ce qui se passe exactement? Ah bon? Ah, pourtant, j'avais plutôt l'impression que c'est les autres équipes qui étaient malades, moi. Mbappé a enrhumé la Pologne, Giroud a filé la bile aux Anglais et les Marocains se sont cassés les dents contre un mur. Hugo Lloris. Alors, faut pas s'inquiéter pour Rabiot et Upamecano, hein. Ils avaient un peu de mal au ventre, mais bon, j'ai préféré les économiser. Puis en plus, on jouait en short blanc, donc ça aurait pu faire tâche. Au propre comme au figure. On a compris, Didier. Est-ce que ça vous dirait d'ouvrir le calendrier de l'Avent du meilleur des réveils? Oh, avec plaisir. Par contre, c'est ça votre musique de Noël pour moi? Pas terrible, hein? Là, tout de suite, c'est mieux. Ah, ça me donne envie d'ouvrir votre calendrier et de trouver dedans une nouvelle étoile à mettre sur mon maillot. Allez, j'ouvre la case du 16 décembre et c'est... Oh, surprise, c'est l'équipe italienne. Oh, génial. Ça faisait un mois que je cherchais partout. Ah, c'est pas fini, dites donc, il y a un deuxième cadeau. C'est de l'Imodium et du Smecta pour Rabiot et Upamecano. Bonne journée. Jean-Claude Van Damme, vous apparaissez dans une vidéo postée par le ministère de la Défense ukrainien dans laquelle vous prenez la pause avec les soldats sur le terrain. Bonjour, au revoir. Noyeux Joël, ça veut dire joyeux Noël en blaireau, à qui t'as envie de mettre un gros coup de boule de Noël. Entraînement. Fuck les amis, Jean-Claude, il a fait une bêtise. Hier soir, ma femme m'a dit « allume le sapin ». Mais moi, j'avais pas compris qu'elle parlait des guirlandes et j'ai pris un jerrycan et un briquet. Résultat, il faut que je rachète un sapin, des guirlandes, un salon, une maison et une femme. Yeah! Donc ouais, Jean-Claude, il allait sur le terrain avec les soldats ukrainiens. Du coup, normalement, cet après-midi, les troupes russes se replient. Samedi, Poutine capitule. Comme ça, dimanche, on peut se reposer, mater la finale tranquille. I love this life. En plus, si tu regardes bien, la guerre, c'est comme la drogue. Ok, c'est mal. Sauf que la guerre, elle rentre pas dans ton nez. Sauf si c'est une toute petite guerre ou un très gros nez, ok? Il y a un verre de terre. Ah non, ils vendent du shit, c'est un verre terre-terre. Oh. La guerre, c'est mal, grand écart avec les narines. Bravo Marc-Antoine. Marc-Antoine Lebray qui jouera son spectacle ce soir à Aix-en-Provence et qui est sur RFM tous les matins à 8h15. Vous pouvez également le retrouver en podcast sur rfm.fr.